Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette nouvelle séance d'enseignement-apprentissage qui concerne les élèves de la classe de 6e. Je suis Kouetioko Komolo Abel, enseignant de mathématiques. Avant d'aborder la leçon du jour, corrigeons d'abord le devoir que vous avez reçu la dernière fois sur la leçon suite de nombres proportionnels. Voici son énoncé. Première question. Voici deux suites de nombres. 2, 3, 4, 5 et 2,8, 4,2, 5,6, 7. S'agit-il de deux suites de nombres proportionnels? S'agit-il de deux suites de nombres proportionnels? Deuxième question. Calcule le nombre x pour que les deux suites, à savoir 3x et 67,5, 202,5, soient deux suites de nombres proportionnels. Nous allons corriger ce devoir. On va commencer par la première question. Voici deux suites de nombres. Nous allons reprendre ces deux suites de nombres au tableau. Nous avons les suites 2, 3, 4, 5 et 2,8, 4,2, 202,5. Voici deux suites de nombres. Bon, on va reprendre 2, 3, 4, 5 et 2,8, 4,2, 5,6. Autant pour moi, à ce niveau, c'est 5,6 et 7. Parce que ici, on doit avoir le même nombre de nombres. On a 4 nombres ici. Ici, on peut avoir également 4 nombres. On demande s'il s'agit de deux suites de nombres proportionnels. Ce que nous allons faire, on va diviser les nombres d'une ligne par leur correspondant de l'autre ligne. On va commencer par on va diviser 2,8 par 2. 2,8 divisé par 2. On peut utiliser la disposition pratique. 2,8 divisé par 2. 2 divisé par 2, 1. On passe à la partie décimale, je passe à la virgule. 8 divisé par 2, 4. Donc, 2,8 divisé par 2, nous trouvons 1,4. 4,2 divisé par 3, on procède de la même manière que tout à l'heure. On trouve 1,4. 5,6 divisé par 4, on trouve 1,4. Et 7,5 divisé par 5, on trouve 1,4. Puisque 2,8 divisé par 2 égale 4,2 divisé par 3, égale 5,6 divisé par 4, égale 7,5 divisé par 5, on peut conclure qu'il s'agit
de deux suites de nombre proportionnel. On passe à la deuxième question. Calcule le nombre x pour que les deux suites. Nous allons recopier ces deux suites au tableau. Les deux suites fois x et 67,5 202,5 soit deux suites de nombre proportionnel. Ces deux suites sont deux suites de nombre proportionnel. Si 67,5 divisé par 3 égale 202,5 divisé par x, ou bien on peut dire 3 divisé par 67,5 égale à x divisé par 202,5. Et la réponse, 67,5 divisé par 3, nous trouvons 22,5. Et x multiplié par 22,5 doit donner 202,5. Parce que lorsque le nombre 22,5 que nous avons trouvé en divisant 67,5 par 3, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc ici, on peut dire que ceci, c'est 22,5. Cela signifie que nous allons multiplier x fois 22,5 et trouver 202,5. Donc, en fait, pour arriver à ces résultats, pour trouver la valeur de x, il suffit d'utiliser 202,5 par 22,5. Et lorsque nous effectuons cette division, on trouve 9. Donc, la valeur de x, c'est 9. La leçon du jour porte sur 4e proportionnel. Nous allons la dérouler suivant le plan que voici. À l'entame, les objectifs, suivi des prérequis, de la situation problème, de l'activité d'apprentissage, des exercices d'application et du devoir à faire à la maison. À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de calculer la 4e proportionnelle. Et pour calculer la 4e proportionnelle d'un nombre, il faut savoir diviser des nombres décimaux. Nous allons observer comment diviser des nombres décimaux sur un exemple. On va diviser 48,32 par 1,6. On utilise la disposition pratique. Avant d'arriver à la disposition pratique, notons que 48,32 divisé par 1,6, ça fait 483,2 divisé par 16. On multiplie 48,32 par 10, on multiplie également 1,6 par 10. Et pour multiplier le nombre par 10, il suffit de déplacer la virgule d'un rang vers la droite. La disposition pratique, 483,2 divisé par 16, 48 divisé par 16, 3 fois 16, 48, 0, nous abaissons 3. 3 divisé par 16, 0. On passe à la partie décimale, en descend 2. 32 divisé par 16, le résultat c'est 2. Donc, 48,32 divisé par 1,6, on trouve 30,2. Passons maintenant à la situation problème. Pour préparer la rentrée scolaire, le fondateur d'un collège a acheté 34 boîtes d'une même qualité de craie pour un montant total de 51 000 francs. Ici, en image, vous avez quelques boîtes de craie, de ces 34 boîtes de craie que le fondateur a acheté pour préparer
la rentrée scolaire dans son collège. Mais le principal de ce collège lui fait savoir que cette quantité ne pourra pas couvrir le premier trimestre et qu'il faudra encore 9 boîtes supplémentaires. Le principal de ce collège lui fait savoir que cette quantité ne pourra pas couvrir le premier trimestre et qu'il faudra encore 9 boîtes supplémentaires. Il a fait des estimations, il a constaté que les 34 boîtes de crayons ne pourront pas suffire pour couvrir tout le premier trimestre. Il a demandé au fondateur d'acheter encore 9 boîtes supplémentaires. Combien doit-il prévoir pour acheter les 9 boîtes supplémentaires? Combien le fondateur doit-il prévoir pour acheter les 9 boîtes supplémentaires? Pour répondre à cette question, nous allons traiter une activité d'apprentissage qui s'appuie sur cette situation problème. À la fin de l'activité d'apprentissage, on aura certainement la réponse à cette question. Activité d'apprentissage. Question 1. Relève dans un tableau de correspondance les différentes quantités de grains et les montants correspondants. Relève dans un tableau de correspondance les différentes quantités de grains et les montants correspondants. On va répondre à cette première question. Relevons dans un tableau de correspondance les différentes quantités de grains et les montants correspondants. Voici ce tableau de correspondance. Nous savons que le fondateur de ce collège a acheté 34 boîtes de grès de la même qualité. Le montant total, c'est 51 000 francs. Et le principal lui a fait savoir qu'il faut encore 9 boîtes supplémentaires. On ne sait pas à combien il doit acheter ces 9 boîtes supplémentaires. Donc voici ce tableau de correspondance. On passe à la prochaine question. Calcule le coefficient de proportionnalité qui permet de calculer les montants, puis complète ce tableau. Quel est alors le coefficient de proportionnalité qui permet de calculer les montants? On va compléter le tableau après. Il s'agit ici du coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première ligne à la deuxième. Et comme nous l'avons déjà dit, pour trouver le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première ligne à la deuxième, on divise les nombres de la deuxième ligne par leur correspondant de la première ligne. Répondons à cette deuxième question. Voici ce tableau de correspondance que nous avons. Lorsque nous observons ce tableau de correspondance, à la première colonne, nous avons 34 et 51 000. Donc, nous allons diviser 51 000 par 34 pour trouver ce coefficient de proportionnalité. 31 000 divisé par 34. On peut utiliser la disposition pratique. 51 000. Divisons par 34. 51 divisé par 34, une fois, 1 fois 34, ça donne 34. Et la différence, 11 moins 4, 7, 4 moins 3, 1. Donc, et nous allons abaisser 0. 170 divisé par 34, on va mettre 5 fois. 5 fois 4, 20. J'ai pris 0 et je le tiens. 2, 5 fois 3, 15 et 2 devenu 17. Nous trouvons 170 moins 170, 0. On abaisse 0. 0 divisé par 34, 0. On abaisse encore 0. 0 divisé par 34, 0. Donc 51 000 divisé par 34, vous voyez là, 500. Donc, le coefficient de proportionnalité
qui permet de passer de la première ligne à la deuxième est 1500. On a demandé ensuite de compléter le tableau. On avait dans le tableau, là, à la première ligne, nous avions 34 et 9. À la deuxième ligne, on avait 51. Pour trouver le nombre qu'on va mettre à la place de ce point d'interrogation, nous allons simplement multiplier 1500 par 9. Et 1500 par 9, on trouve 13500. Donc voilà le tableau. On passe à la question suivante. Effectue l'opération 51000 fois 9, puis divise le résultat par 34. Que constates-tu? Effectue l'opération 51000 par 9, fois 9, et puis divise le résultat par 34. Que constates-tu? On va répondre à cette question. 51 multiplié par 9, on peut utiliser la disposition pratique pour trouver que 51 000, autant pour moi, multiplié par 9, donne 459 000. Ensuite, on divise le résultat qui est 459 000 par 34. 459 000 divisé par 34, nous trouvons 13 500. Le deuxième volet de la question était de savoir ce qu'on constate après avoir effectué ces deux opérations. On constate que l'on obtient le montant à prévoir pour 9 boîtes de craie. Donc, 9000, on retrouve le nombre que nous avons mis comme montant à prévoir pour 9 boîtes de craie. On a d'abord, dans un premier temps, multiplié 51 000 par 9. Nous allons reprendre ceci, le tableau, le correspondant au tableau de proportionnalité que nous avons rempli en haut. On va reprendre ce tableau ici, du moins les nombres qu'on a dans ce tableau. On avait ici 34 boîtes de craie pour 51 000. 9 boîtes de craie, nous avons trouvé que les 9 boîtes de craie, on peut prévoir 13 500 pour les 9 boîtes de craie. Ce qu'on a fait, les opérations que nous avons faites, on a multiplié 51 000 par 9. Donc on a multiplié ces deux nombres. Ensuite, le résultat, on a divisé par 34. On trouve également 13 500. Tout à l'heure, pour trouver 13 500, on a multiplié 9 par le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première à la deuxième. Mais à ce niveau, on multiplie ces deux nombres, les nombres qui sont sur cette diagonale, ensuite on divise le résultat par 34, on obtient encore l'autre nombre. Question 4. Donne alors la réponse à la question posée dans la situation problème. Dans la situation problème, il était question de savoir combien le fondateur pouvait prévoir pour acheter les 9 boîtes de craie supplémentaires pour couvrir tout le trimestre. Le fondateur devra prévoir 13 500 francs CFA pour les 9 boîtes de craie supplémentaires. Dans ce tableau, nous avons déterminé, ce tableau avait trois nombres, ce tableau de proportionnalité, et nous avons déterminé le quatrième nombre. Et ce quatrième nombre-là, que nous avons appelé quatrième proportionnel. On peut donc retenir que, dans un tableau de proportionnalité, lorsqu'on connaît trois grandeurs de deux colonnes, on peut déterminer la quatrième. Cette quatrième grandeur est appelée quatrième proportionnelle. Si le tableau suivant est un tableau de proportionnalité, alors nous allons reprendre ce tableau que nous avons ici.
Sur la première ligne de ce tableau, nous avons A et C. Sur la deuxième, nous avons B et D. Nous disons que si ce tableau est un tableau de proportionnalité, nous pouvons, connaissant les nombres B, C et D, on peut déterminer le nombre A. Le nombre A sera égal à B fois C divisé par... Le nombre A sera B fois C divisé par D. Le nombre connaissant A, B et D, on peut déterminer C. Donc C sera A fois B divisé par B. C A fois B divisé par B. De même, B égale à A fois D divisé par C et D égale à B fois C divisé par A. Donc, dans ce tableau de proportionnalité, si nous connaissons trois des quatre nombres que nous avons, on peut déterminer le quatrième nombre. Et c'est ce quatrième nombre-là qui est appelé quatrième proportionnel. Exemple, on considère le tableau de proportionnalité suivant. Nous avons ce tableau de proportionnalité. On a 6, 7,2, 9 et x. La lettre x désigne le quatrième nombre de ce tableau, le quatrième nombre que nous ne connaissons pas et qu'il faut chercher. Puisque ce tableau est un tableau de proportionnalité, nous allons tout simplement dire que x égale, on multiplie 7 nombres de la diagonale, après on divise par 6. X égale 7,2 multiplié par 9. Ensuite, on divise le résultat par 6. Et lorsque nous effectuons cette opération, on trouve X égale à 10,8. Pour mieux comprendre cette leçon, je donne un exercice d'application. Exercice. Trouve le quatrième nombre de chacun des tableaux de proportionnalité suivants. Trouve le quatrième nombre de chacun des tableaux de proportionnalité suivants. Ces trois tableaux sont des tableaux de proportionnalité. Deuxième nombre, on a A, on a 20, 117, 2,5. Le deuxième tableau, nous avons 25, 100, B. 200. Et le troisième tableau, nous avons 2, c'est 5, 16,25. Lorsque nous allons déterminer chacun des nombres A, B et C, on va dire qu'on a déterminé la quatrième proportionnelle de chacun de ces trois tableaux. Nous allons commencer par la première, le premier tableau. Nous avons dans le premier tableau, on a A, 20, 117, 22,5. Comme tout à l'heure, pour calculer la valeur de A, A c'est la quatrième proportionnelle de ce tableau. A sera donc égal, on multiplie les nombres de la diagonale, donc que ça fait 20 fois 117. Ensuite, on divise le résultat par 22,5. 20 multiplié par 117, on trouve 2340. Et 2340, on divise par 22,5. En divisant 2340 par 22,5, nous trouvons 104. Donc, A est égal à 104. On passe au deuxième tableau. Au deuxième tableau, il s'agit de déterminer le nombre B. Dans le deuxième tableau, nous avons 2500, B 200. Dans le deuxième tableau, nous avons, on reprend 2500 et B 200. Pour
donnée, on va multiplier les nombres de cette diagonale, nous allons multiplier ce nombre, ensuite divisé par 100. Donc, D égale à 25 multiplié par 200. Ensuite, on divise le résultat par 100. 25 multiplié par 200, on trouve 5000. 5000 que nous divisons par 100, il suffit d'enlever 2 zéros sur 5000, on obtient 50. Donc, B égale à 50. De la même façon, pour trouver le nombre C dans le dernier tableau, on multiplie les nombres de la diagonale, savoir 2 et 16,5. Ensuite, on divise le résultat par 5. 2 fois 16,5, le résultat c'est 2 fois 16,25, on trouve 32,5. Ensuite, on divise le résultat par 5. En divisant le résultat par 5, on trouve 6,5. Donc, le nombre C, c'est 6,5. Remarquons que les nombres, lorsque nous avons un tableau de proportionnalité, A, B, C et D, la détermination de l'un des nombres de ce tableau connaissant les trois autres est appelée la détermination de la quatrième proportionnelle. Donc chacun de ces nombres peut être appelé quatrième proportionnelle. Si nous connaissons les nombres A, B et C et qu'on nous demande de déterminer le nombre D, il s'agit de D, ça sera la quatrième proportionnelle. De même, si nous connaissons C, A et D, et qu'il faut déterminer le nombre B dans ce tableau de proportionnalité, B à son tour sera appelé quatrième proportionnelle. Et aussi, pour parler de quatrième proportionnelle dans un tableau, il faudrait que ce tableau soit d'abord un tableau de proportionnalité pour qu'on parle de quatrième proportionnel. Pour assimiler cette leçon, vous allez faire ce devoir pour la prochaine fois. Exercice. On admet qu'une voiture à moteur diesel consomme 8 litres de carburant au 100 km. Cela signifie que lorsqu'une voiture à moteur diesel parcourt 100 km, elle consomme 8 litres de carburant. Première question, calcule sa consommation pour un parcours de 375 km. Calcule sa consommation pour un parcours de 375 km. Deuxième question, calcule la distance que peut parcourir cette voiture avec 70 litres de carburant. Dans le réservoir de cette voiture, il y a 70 litres de carburant. On nous demande maintenant de calculer la distance qu'elle peut parcourir avec ces 70 litres de carburant. Au départ, on nous a dit que on admet qu'une voiture à moteur diesel consomme 8 litres de carburant au 100 km. Vous allez donc traiter ce devoir et nous allons le corriger la prochaine fois. Nous sommes arrivés au terme de la séance d'aujourd'hui. La prochaine leçon portera sur les pourcentages. On a tege si ma tege yop, on a tege minga ma tege nyom, on a tege ma jang ma tege ndom, mane tambia niña ne injo biayen, ngani bana ma tege mot, ngani la kiri wa tege ndong, esu kina bia dinkido, mane tambia niña ne injo biayen, tam tama mote tam zabike, tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia niña ne injo biayen.